Bienvenue à Happiness Potential, la chaîne de la vitalité permanente. Pourquoi est-ce qu'il est important de marcher 5 à 10 minutes après le repas de midi, après le repas de mi-journée? Donc, je prends un exemple. Ça a été le poulet DG, ça a été le coquille avec le plantain, ça a été le riz avec la sauce tomate et le poulet, qu'importe. Lorsque vous mangez, vous remplissez votre estomac. Il peut y avoir aussi une boisson. Mais à ce moment-là, l'estomac utilise près de 2/3 de l'énergie de tout le corps. Donc, le cerveau a moins d'énergie pour réfléchir et le cerveau, l'estomac justement, utilise près de 2/3 de l'énergie. Qu'est-ce qui se passe? Dans la plupart des cas, vous avez envie de dormir. Et dans un autre cas, bon, vous avez envie de vous distraire. Même si vous êtes devant votre table de travail, vous avez envie de vous distraire. Allez sur WhatsApp, allez sur Internet, de surfer. Parce que le cerveau n'est plus fort. L'énergie dans le cerveau est vraiment faible. Donc, le conseil maintenant, c'est après le repas de midi, de marcher minimum 5 à 10 minutes. L'autre avantage, c'est que vous vous exposez au rayon ultraviolet. Le rayon ultraviolet augmente une hormone dans le corps qui s'appelle la sérotonine et aussi la dopamine. Et aussi, vous augmentez votre taux de vitamine D. Puisque vous augmentez votre taux de vitamine D, également, il y a plus de calcium qui se fixe sur vos os. Donc, et ça augmente aussi la bonne humeur. Ok, plus de 10 minutes de marche chaque midi après le lunch. Merci, vitalité permanente.